vraiment des bruits très étranges. Le bruit des portes. Je peux pas rester ici. Je peux pas rester ici. Je me trouve dans le sanatorium d'Aincourt, un ancien hôpital spécialisé dans le traitement de la tuberculose, mais également un ancien camp d'internement dans lequel étaient gardés les prisonniers avant de partir en camp de concentration. L'exploration d'aujourd'hui va durer 24 heures. Je suis en collaboration avec Dimitri. Dimitri qui filmera l'exploration de jour et moi, je filmerai l'exploration de nuit. Donc lui, il est déjà en train de filmer depuis un bon moment. Donc Dimitri a filmé tout le lieu que vous pourrez retrouver sur sa chaîne. Et moi, je vais attendre quelques heures avant de commencer à filmer. Je vais attendre qu'il fasse nuit et on va essayer de voir comment est cet endroit la nuit, quelle est l'ambiance et surtout essayer de voir s'il est vraiment hanté. Puisque d'après les rumeurs, il serait hanté. Ouais. Et moi, toutes les choses un peu bizarres, hantées, moi ça m'attire. Donc forcément, le lieu était inévitable pour moi. A tout de suite. Bon, là il commence à faire nuit, on a déjà exploré toute la journée ce lieu très particulier avec Dimitri, la vidéo est sur sa chaîne et maintenant qu'il fait nuit, c'est à moi de filmer. Donc toute la partie jour est sur sa chaîne, toute la partie nuit est sur ma chaîne et c'est parti pour l'exploration de nuit. Ça va faire très peur. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur de cet hôpital abandonné. Des longs couloirs et de part et d'autre, on a des chambres vides où tout est détruit. Le sanatorium d'Aincourt que vous voyez juste derrière moi a été construit entre 1930 et 1933. Ce fut un centre de cure spécialisé dans le traitement de la tuberculose. La nuit est tombée, c'est parti pour l'exploration. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la capuche parce qu'il fait vraiment super froid. La nuit va être dure. L'ambiance est particulière, ça fait assez peur et il y a plein de bruits bizarres. Regardez, il y a encore des vieux placards. Sinon, il ne reste plus grand chose, il y a vraiment tout qui est détruit. Entre 1940 et 1942, au cours de la Seconde Guerre mondiale, le sanatorium est devenu un camp d'internement dans lequel étaient détenus les prisonniers qui seraient envoyés en camp de concentration. Bon Dimitri, comment tu te sens la nuit dans ce lieu qui apparemment, il paraît, est hanté? Franchement, je sais pas, ça, je suis un peu stressé. Il y a vraiment des bruits ultra bizarres. Ouais. Il y a un matelas. Un vieux matelas. Il y a vraiment trop des bruits qui font peur. Les bruits de la forêt, des oiseaux. Parce que je rappelle qu'on est au milieu de la forêt. Le bruit des portes qui grincent avec le vent, ça fait trop peur. Il y a vraiment beaucoup de graffitis sur les murs. Oh, ça c'est un pingouin. Là, les yeux derrière moi, ça fait trop flipper. Regardez, ça c'est un ancien ascenseur. Comme il fait nuit, on voit pas grand chose à part ma tête qui est toute blanche, donc je vous mettrai quelques plans pris de jour. y a du vent un petit peu, donc il y a des bruits un petit peu bizarres dans ces lieux. Il faut se dire que ce lieu a été servi de... J'ai entendu un truc. J'ai entendu un truc là-bas. C'est là-bas. On va voir? Je sais pas. Ça fait trop peur, alors sans lampe, j'imagine même pas. J'arrive même pas à parler, je pense qu'on va bouger d'ici. On va bouger parce qu'il y a vraiment des bruits très étranges. J'étais pas avec Claire. J'ai un peu couru, je suis tombé un peu, mais là on va aller sur le toit parce que là on peut pas rester sur dans les chambres, c'est horrible. C'est hanté. On va essayer de trouver un lieu calme pour qu'on puisse manger et se poser. Je peux pas rester ici. Je peux pas rester ici. Je pense qu'on va passer la nuit à l'extérieur sur le toit. Il faut savoir qu'ici il y a eu beaucoup de morts. Étant donné que c'est un centre de cure qui traitait les malades de la tuberculose, et au début du XXe siècle il y a eu énormément de morts de la tuberculose et donc énormément de morts dans cet hôpital, d'où le fait qu'il soit hanté. Là on est sur le toit, ça fait un petit peu moins peur et je pense qu'on va passer une bonne partie de la nuit ici. Parce qu'en bas, il y a vraiment trop de bruits bizarres, de grincements, des chauves-souris, c'est pas possible. Voilà l'hôpital vu de nuit et depuis le toit. Bon Dimitri, on est mieux sur le toit? On est mieux sur le toit, mais on peut pas rester ici. On peut pas rester ici, il pleut. Mais je me dis en bas c'est encore pire. Donc on peut pas rester en bas, mais on peut pas non plus rester en haut. On sait pas où on va passer la nuit. Je sais pas comment on va faire, mais je pense qu'on va essayer de trouver un petit endroit. Ouais, on va se réfugier de la pluie déjà parce qu'on va être trempé. Donc là on a trouvé une salle, une très grande salle. C'est là qu'on va passer la nuit. Je pense que c'est le meilleur endroit où on peut passer la nuit. Dimitri s'est déjà installé. Et moi, je vais m'installer aussi. Bon, impossible de dormir en réalité dans ce lieu. Impossible. Je crois qu'on va marcher toute la nuit. On sait pas qu'est-ce qui va se passer si on dort. En fait, j'ai essayé de fermer un peu les yeux, 5 minutes, mais vraiment c'est impossible. Vaut mieux pas dormir en fait. Non. Le problème c'est qu'on peut pas partir d'ici parce qu'il fait nuit et on est obligé de traverser la forêt et... C'est plus risqué de partir que de rester. Donc, ouais. Donc on est coincé. Je commence à regretter un peu ce 24 heures. Bon du coup, comme vous l'aurez compris, on est un peu coincé dans ce lieu jusqu'à demain matin. Donc on va devoir dans tous les cas rester ici. Génial. Si t'es encore là à regarder la vidéo, mets cet emoji dans les commentaires. On va redescendre en bas. Vous pouvez voir la partie de jour sur ma chaîne où je vous montre un petit peu plus en détail les lieux. J'entends des bruits bizarres. Je vais vous faire la fin de la vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait et si vous voulez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, activez les notifications. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous aimeriez que je fasse le prochain 24 heures et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.